Ce sont des histoires du passé, mais pour Karl Lagerfeld, la plaie n'est toujours pas refermée. Dans le viseur du styliste de 84 ans, Pierre Berger, l'homme d'affaires décédé en septembre dernier. Quand on lui demande s'il compte écrire une autobiographie, cette figure de la haute couture détourne la conversation et s'en prend sans ménagement à l'ancien compagnon d'Yves Saint-Laurent. Ma devise, je n'ai rien à dire, je ne fais pas de discours mais je réponds aux questions. Avez-vous lu l'horrible livre qui est paru sur Pierre Berger? La couverture déjà vous fuyait. Je l'ai feuilleté et foutu à la poubelle, lance Karl Lagerfeld à Paris Match, avant de révéler les raisons de sa brouille avec l'ancien président du SIDAction. Il a foutu la merde dans un groupe de très bons amis. Je n'ai jamais été fâché avec Yves. Il y avait cette fameuse histoire avec Jacques de Bachère. Je n'y étais pour rien, je n'ai jamais couché avec Jacques, raconte dans Paris Match Karl Lagerfeld, qui ne semble pas avoir pardonné malgré les années qui ont passé. Pierre disait que j'avais tout organisé pour ruiner la maison Saint-Laurent, imbécile, donneur de leçons insupportable, se prenant pour Malraux et sa culture plus régionale qu'autre chose, lâche le directeur artistique de Chanel dans le magazine.